Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va bien rouler en Tesla, plus précisément en modèle Y, genre Y, tu vois, en Y. Je pense que Jules l'a assez dit. Y, tu vois, en Y. Et on est en compagnie de Jérôme. Jérôme qui nous lâche pas, Jérôme qui est là à chaque vidéo. Jérôme, est-ce que tu as un mot à dire cette fois-ci pour la vidéo? Voilà, du coup, vous avez bien compris, on va faire un test d'une Tesla modèle Y. Et on va voir ce que ça va donner, une voiture électrique, surtout un SUV. Parce que pour moi, c'est un genre d'SUV, le modèle Y, c'est quelque chose de quand même assez gros, quoi. On se retrouve tout de suite pour laisser Tesla en Y, ma gueule. Bip, bip. Oh putain. Oh putain, vas-y. Maintenant, entrez dans le rond-point et prenez la deuxième sortie. Quel forceur. Mais j'ai fait exprès de le laisser passer. Maintenant, tournez à gauche sur route de Bruma. Sur route de Bruma. Ouais, j'ai pris le feu rouge. Ah ouais, elle freine toute seule, c'est vrai. Oh, elle est moins puissante que les autres. Bah hein. Ouais. C'était pas sur sport 1. Sport. Mais non, ça c'est la direction. Direction, c'est sport. Ah non, c'est l'accélération. Accélération standard. Ouais, bah c'est normal, t'as pas là. Ah bah si. Ah si, là ça... Non, là c'était clairement là, ça a rien changé hein. Vas-y, mais remets-moi le truc, le GPS là, ou je sais pas quoi là. Le GPS? C'est où le GPS? Ah voilà. Putain, il connaît pas ses voitures. Ben non, je connais rien sur cette voiture. Tu veux pas parler là? One more time. Avec Jérôme, on a déjà essayé le modèle 3. Je crois qu'elle nous avait mis sur le modèle performance, c'est ça Jérôme? Oui. Modèle performance, donc elle a en plus une option d'accélération dynamique. Donc quand on appuie, c'est comme quand on allume un interrupteur. La voiture, vraiment, elle a un départ instantané par rapport à l'appuyage sur la pédale. Maintenant sur toutes les Tesla, toutes les voitures électriques je pense, quand on accélère, forcément ça accélère. Par contre quand on relâche l'accélération, la voiture freine automatiquement par rapport au relâchement de la pédale. Donc il n'y a pratiquement pas besoin d'appuyer sur le frein, sauf si vraiment il y a une situation d'urgence ou un freinage sec. Pour le modèle Y, forcément c'est pas un modèle performance, ça répond pas forcément comme le modèle 3 performance. En revanche, ça c'est les voitures électriques, ça a un départ instantané par rapport à l'appui qu'on fait sur la pédale. Voilà. Dans 200 mètres, entrez dans le rond-point et prenez la première sortie. Oh. Maintenant, frérot, ça change. Hein. Si. Enfin, elle en a. À la râle, du zéro machin, ouais. Winger Levios. Bravo, ma chère. Dans
300 mètres, tournez à droite sur D64. Elle freine toute seule, c'est bien ça. Et elle est à combien de... Ouais, elle est 97%. Donc, en vrai, la modèle 3 perf, on est d'accord. Jérôme, la modèle 3 perf, elle se vidait comme une batterie de vieil iPhone. Hein. Et on est parti, elle était à 98%. Elle a dit 100%, mais non, j'ai vu, elle était à 98%. Et là, elle est à 97%. On a utilisé 1% seulement là, en faisant les cons. Oh putain. J'avais dit moi parce que les autres, sur l'île. Comme ça, là, ils sont pas humains quoi. Maintenant, tournez à droite sur rue des Bergers. Ça a de nouveau changé. T'as senti la différence là? Là, tu sens la différence là? Là, c'est tout mou là. Recharge. Tillier, l'autopilote ou pas? Maintenant, tournez à gauche pour rester sur rue du Général Leclerc. Limite vitesse, t'arrives à l'enlever ou pas? Dans 200 mètres, tournez à gauche sur rue du Vallon. C'est du Louis V. Oh, et comme tu zoomes sur ma tête là. Écoute ce bruit. T'entends? T'entends ce bruit là? T'entends? C'est normal. C'est une voiture électrique, frérot, ça fait pas de bruit. Il a fait ça de l'acte de nerf du côté. Putain, c'est un bâtard, il m'a activé le siège chauffant lui. À l'arrière, t'as rien fait. Hein. Voilà comment ça se présente. Trop la classe. Tu peux même choisir comment ça souffle et tout. Et je vais te le mettre dans la gueule à toi. Tiens, hop là. Putain, faut faire demi-tour là. Ça pue la merde. Réussi, tu vas que tu te moques. Est-ce que tu fais les salopes? T'inquiète, ils voient tout là-haut. Pour tout, moi je fais de là-haut. Y'a des Raphaël Léa. N'empêche, t'as vu, elle fait du bruit. Hein. Elle est contente. Hein. Alors que tu te débrouilles, je comprends que c'est bête que du bédo. J'ai pas changé de physique, débrouille tout tout. En tout cas, le son il est bon, hein, franchement. Son grand-père, reportage télévisé, les sondages téléguidés. Sauf que ça en est transparente, c'est payé, c'est mérité. Oh, y'a pas des meilleures musiques là? Je rigole. T'as fils de pute. Heureusement, t'as pas le modèle 3 hein, qui serait parti là. Ouais, une Tesla. Fallait lui faire des appels de phare. Dis-moi que maman c'est toi, j'ai besoin de te voir, c'est vite. One eternity later. Fais-moi quand même une petite place. Dis-moi que maman c'est toi. Dis-moi ce que tes yeux me disent. Il m'a dit je dois le doubler. Mais tu vas comment chez Tesla là? Je sais pas. Il est 20. Mais alors? Donne-moi juste un pas. Rien. Putain, mais avance ta mère là! Avec ta Mercedes. Ah si, là. C'est elle. Ma copine, j'ai pas de surprise, mais voilà. Putain, mais il fait chier avec sa Merco lui! Regarde-moi ça. C'est sûr, en fait. Ouais, tu crois ça drift? Tu fais quoi? Bah, je fais le tour du rond-point. Moi, j'ai dit, t'aurais dû le faire la moitié. Mais je peux toujours le faire après, non? Je sais pas où je serai dans 10 ans. Mais wesh. Il y a trop de monde là. Il y a pas encore. Donc là, deuxième vidéo dans une autre voiture. On a réussi à négocier un deuxième essai dans la Tesla Model 3 Performance. Ici, sur le mode Performance, vous avez sport et accélération en sport. Voilà. Donc là, Jérôme, accroche-toi. Je vais vomir. Oui, bah ça s'était mal passé avec Jérôme. Je te jure que si je me sens pas bien, mec. C'est quoi, j'aime pas. Maintenant, tournez à gauche. C'est une décette d'hypothèse, je te jure que si je me sens. Je me sens pas ouf, je coupe la cam. Non, y'a pas de soucis, ouais. Parce que déjà là, tu m'as mis mal. 4 roues motrices là ça glisse pas hein. Mais c'est trop bien. Avant t'aurais plus de drift alors. Non, parce que wow. Voilà donc là on a plus de batterie. On va aller se recharger un peu aux sources parce que l'électricité ça coûte cher. Jérôme va vous montrer tout de suite où on va. Jérôme. Moi je vois rien. Attends on va charger là. On va charger aux sources. L'électricité ça coûte moins cher. Thank you.
plus à quoi je ressemble sur la vidéo là, t'as vu que je suis. C'est bon, je capte, arrête de faire des zooms comme ça. Là. Arrête. C'est pas un dodan. Heureusement qu'ils mettent des dodans, hein. Du coup, Jérôme, ça va pas. Ça va pas. Ça va pas, Jérôme. Ça va pas. Ça va, et toi? Pour moi, ça va. Ça va parce qu'on a eu deux Tesla pour le prix d'une, quoi. Hein? Elle était quand même bien, la Y, mais moins bien que la, la 3. La 3 perf. T'es bien. Et ouais l'équipe, on se retrouve de nouveau après l'essai Tesla. Donc comme dit, on était censé essayer juste le modèle Y. Finalement on a essayé également le modèle 3 Performance. C'était de la négociation. Enfin légère, mais de la négociation parce que eux ils ont un planning, ils peuvent pas forcément faire ça pour tout le monde. Et voilà, on se retrouve déjà pour la fin de cette vidéo. On espère vraiment que vous avez kiffé parce que franchement, nous, ça nous a fait super plaisir de vous faire découvrir un peu cette marque parce que c'est pas n'importe quelle marque. Elle est beaucoup énoncée en ce moment pour déjà ses baisses de prix, pour ses problèmes techniques, ses problèmes avec les assurances, beaucoup de problèmes d'ailleurs qu'elle rencontre aujourd'hui. Mais franchement, on est vraiment content de vous faire découvrir Tesla. Allez, sur ce, on vous laisse. On vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, ciao, ciao.